Msiogope. Hiyo dalili za vita mnasikia SADC, mnasikia Warundi, wa Tanzania, wa Malawi, wa mercenaire wazungu, FDL, wazalendo, Maimai, Nyatura, wataishia Goma peke yao kule na mlake. Tunaelewana? Hawata wafikia hapa kuwasumbua tena na kuwakimbiza. Unaelewana? Mutaishi na amani, mutalima, munachuruza, munatembea. Wakati walijaribu kuwasumbua kidogo, sisi chama yetu tunasemesha kaubeni. Tulisimamisha makazi kufikia saa 12:30. Haiko vile? Simuliona? Ilitubidi kuwafukuze mbali. Walitafuta kuchanganyikisha watu wakuje kumaliza insecurity ya kwao, wailete hapa kwetu, waue watu, wagandamize wa mama wasende kwa shamba. Waliwasikilia wivu. Ilibidi kusimamisha kusudi msiumie, tuanze kukimbiza adui aende mbali. Na baadaye tunasema mtumike 24/7. Haiko vile? Mutachuruza, mutatembea hata usiku kucha kwa eneo yetu, kwani hakuna probleme. Wakati ambayo hata Kinshasa ikafika saa 10 hawezi kutembea, Goma ikafika saa 12 hawezi tembea, lakini kwa eneo yetu unaruhusiwa kutembea 24/7. Hiyo ni alama kubwa ya maendeleo na amani. Hata kama furaha iko, muoneshe furaha yenu, mweke mikono juu. Asante, asante wa mama na wadada zangu. Leo ni sikukuu yenu. Leo chama yetu imenituma nikuje kuwasalimia, nikuje kuchangia furaha pamoja na wamama. Nimefuata michezo mzuri imepita hapa. Mnaonesha maana ya mama ndani ya nchi. Nimeonesha maana ya wasichana ya wadada zetu ndani ya nchi. Ndiyo furaha kubwa tunakuwa nayo, kwani tunacheza, tunafurahi, na ninaona sura ya wadada zangu, ya mama wangu, wanajaa na furaha sana. Haiko vile? Ndio! Haiko vile wa mama? Ndio! Ambaye tumekusanyika naye hapa kwa ngambo ya jeshi, mwache Lieutenant Colonel Willy Ngoma ashimame awapepe. Habari yenu? Ah, yeye mnamzoea sana.
Acha tuombe basi na wanajeshi wa ARC wa wanawake, yani kunakuwa wanaume lakini na wanawake nao wako hapo pembeni yao, kaka yao wakiwasaidia kwa kazi, wakipanda milima, wakishuka mabonde, wakivuka maji, na wadada nao wako hapo kwenye jeshi la ARC, acha nao washimame, na kiongozi ambaye anawashimamia mahali hapa ashimame awapepee. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, de Nord-Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord-Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un moto-taximan à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord-Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recrutés par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Sud Kivu et arrêté à Goma,
lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine.